tearing out. Ok, détends-toi. Parfait, t'es superbe. Super jolie. Tu sais à qui tu me fais penser? Non, à qui? À Isabelle Huppert. Ah, je connais pas. Tu connais pas? Non. Attends, c'est une actrice française. Je vais te montrer. Enfin, tu me fais penser à elle quand elle était jeune. Attends. Elle a fait quoi? Je trouve qu'il y a un petit air. Ah ouais, il y a un petit air, ouais, c'est vrai. Ouais. Mmh. C'est un compliment, elle était super belle. Ah, c'est trop gentil. T'inquiète. Ah, hop, je reprends. Et t'arrives à te décaler un tout petit peu là? Ok, attends. Tu peux? Ouais, vas-y. Tu sais que la fondue, c'est hyper bien pour sculpter ton corps. C'est bon? Bah non, t'es con. Clément? T'as débarrassé la table du salon pour qu'on puisse la mettre dehors? Ouais. On la bouge maintenant? Salut! Merde, putain. Putain, merde, ma mère! Merde, putain, je suis désolée. Ça fait gaffe quand même, ça coupe, hein. Oh putain, fais chier. Mais quelle entrée fracassante, Karen. Salut. Ça commence déjà. Ok, il y en a un qui va s'en prendre une, par contre. Oh, ta gueule. Mais tu arrête de rigoler comme un débile, là. C'est pas l'idée de sa mère. Ça sent bon. Tadam. Merci. Dans les yeux. Je suis content que tu sois là. Ouais, c'est chouette. On va manger? C'est déjà prêt. Ouais. Laisse-moi juste transférer les photos sur mon téléphone. Tu peux faire ça après, non? Vas-y, c'est bon, j'arrive. Attendez, il y en a un qui est tombé dedans, là. Non, il y en a qui est perdu. Ouais. C'est à qui, ça? C'est pas moi. Bon. Faites voir vos pics, là, tous? Là. Ouais. Tu vois, ouvre la bouche, toi? Ouais.
Ah, j'ai une dans la bouche, là, je viens de la manger. Tu te souviens l'été dernier à la montagne, l'étoile filante qu'on a vue? Et le mec en Autriche à l'hôtel. Il croyait pas qu'on était ensemble, il voulait pas nous passer une chambre double. Ah ouais. Et le bain de minuit à Le Carnot. Écoute, c'est bon là. On va pas y passer la nuit, ok? Je vous resserre? Ah ouais, s'il te plaît, merci. D'ailleurs, on en vient bientôt à bout de ces cubes en plastique, histoire qu'on passe au bon vin de Fred, là. Ça, il est pas dégueu, lui. Non, non, il est pas dégueu, mais... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque achat qu'on fait, on leur donne notre accord à ces entreprises. On leur dit qu'on est d'accord avec leur manière de faire, et en plus, on les soutient avec notre fric, quoi. Enfin, en achetant des cubes en plastique, en achetant des produits transformés par les multinationales, on leur dit que c'est OK et qu'ils peuvent continuer à épuiser les ressources et à détruire la planète. Le pire, c'est qu'ils exploitent des travailleurs sous-payés et ça creuse encore plus l'inégalité entre les riches et les pauvres. Enfin, je trouve ça horrible. Non mais c'est bon, ça va là. Non mais tu peux pas nous lâcher avec tes idées. On est en vacances, on s'en fout. Non mais attends, les vacances ça veut pas dire qu'il faut oublier. Attends, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais tu peux pas avoir l'adhésion générale en culpabilisant tout le monde. Non, mais bien sûr, je sais. Non, mais c'est foutu, là. Mais non, non, faut juste qu'on change nos habitudes, c'est tout. Ouais, mais pour ça, faut donner envie. Ouais, je suis d'accord. Arrête avec tes photos. Mais c'est bon, lâche-la. Non mais c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Ça vous dit, on fait l'action vérité? Allez, vas-y, go. Allez, ouais. Bon, allez, vas-y, go. Chaud. Bon bah alors, qui commence? Moi je veux bien. Ok. Ok, alors action ou vérité? Vérité. Qui a été ton premier amour? Ouh, c'est mignon. C'était quelqu'un dans ma classe. Hein? Dans notre classe? C'était qui? Ah bah non, gros, c'est qu'une question. Bon, à qui le tour? Laura, action ou vérité? Vérité. Dans un plan à trois. Oh là 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 là. Tu préfères être avec un mec et une meuf, deux mecs ou deux meufs? Ouh, attention. Non mais j'ai pas trop pensé. Ouais. Non mais je sais pas, deux femmes ou deux hommes. Non mais j'ai jamais vraiment trop pensé, quoi. C'est ce qu'on dit, ça. Clément. Encore? Oh, mais c'est drôle. Ça chante sur lui. Action ou vérité? Action. Ok, action. Ok, j'ai. Va rouler une pelle à Camillo. C'est le jeu. Désolé. Ne déconne pas. Désolé. Wouh! Oh les gars! Bravo! Bravo les gars! C'était beau, c'était beau. Ah bravo les mecs. Hein. Au top. Excellent. Ok, ok, si c'est comme ça. Laïla, action vérité? Bah vas-y, action. Ok. Tu dois dire 5 phrases pro-Trump. Pardon? 5 phrases pro-Trump. C'est une blague, là? Non. Ok. Alors, il y en a marre de se dégénérer de Trump, d'accord? Qui nous prend tous pour des cons, qui pense qu'au fric et qui sait même pas ce que c'est la notion de respect. Ça te va, là? C'est bon? Pas vraiment ce que j'ai demandé.
Bon, Karen, action ou vérité? Allez, action. Ok. T'es avec ton futur ex au lit. Ouais. Montre-nous comment tu lui fais croire que t'as un orgasme. Non. Allez. Ça va. Ah non, moi ouais. Ça me fait pas rire. Ça on s'est embrassé. Ouais. Mais ça, je m'en fiche, j'ai pas envie de le faire. Je dis que c'est personnel. Ça. Non, j'ai pas envie. Mais tu crois que j'avais envie de le faire, de l'embrasser? Non, mais là, c'est personnel. J'ai pas envie de le faire, je vous le dis. Quand on s'est embrassé aussi, c'est personnel. Mais je m'en fiche, je vois même pas pourquoi vous me prenez la tête. Je vous dis que j'ai pas envie de le faire, c'est tout. Vous me saoulez là. Mais c'est le but du jeu. Bon, allez, c'est bon, de toute façon, vous comprenez rien. Karen. L'ambiance de merde. Hein. Merci Layla. Pardon? Non mais ça va. Et c'est vrai. Hein. Excusez-moi, je vais juste prendre ça. Allô Jacques? Je t'entends pas bien. Mais t'as une drôle de voix, ça va? Les photos? Lesquelles? Ah non, pas maintenant. Pourquoi pas? Je croyais que tu t'en foutais de mes photos. Pas du tout. Montre-moi les photos avec Layla. Elle t'intéresse, Layla? C'est plutôt toi qui t'intéresses à elle, non? Bonne nuit. Bonne nuit. Arrête, c'est bon. Il vient quand déjà, Max? J'ai déjà dit, demain. Okay. Bon, bah j'ai hâte, hein. T'imagines déjà le croquer, hein? Bah pourquoi pas. Écoute, essaye, hein. On verra bien.